Bonjour, aujourd'hui nous allons voir trois astuces pour augmenter les abonnés et les clics de ta chaîne YouTube. Oui, alors nous allons voir comment augmenter le nombre d'inscrits de ta chaîne YouTube, surtout le nombre d'abonnés et les clics sur les liens que tu mets dans ta description. Pour cela, il va falloir te pencher d'une part sur ta vidéo d'accueil et la page à propos, et de l'autre sur la description de tes vidéos. Ce sont ces endroits où est tout d'abord la page d'accueil de ta chaîne avec la vidéo d'accueil et la page à propos pour ceux qui veulent la voir. Cette vidéo, elle va être vue avant la page à propos la plupart du temps. D'ailleurs, on retrouve cette page à propos sur les sites et les blogs. Il ne faut donc pas la négliger. Mais la vidéo est plus importante. Alors, que mettre dans cette vidéo? Quelle présentation? Peu importe le type de vidéo, face caméra, présentation, animation, etc. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est le contenu, ce que tu vas y mettre. Tu dois expliquer le pourquoi du comment de ta chaîne. Pourquoi as-tu créé cette chaîne YouTube? Dans quel but? Quels sujets vont être abordés? Et le but par rapport à ton audience? En quoi tes vidéos vont aider les visiteurs? Il faut que ce soit clair et que pour profiter de tes conseils ou des informations que tu vas leur donner. Partage aussi des informations sur toi. Qui es-tu? Que fais-tu? Comment tu as eu l'idée de cette chaîne? Et comment tu vas t'y prendre pour les aider? Combien de fois par semaine tu comptes publier une vidéo? Auras-tu différents sujets en rapport avec ta thématique? Etc. Il faut que les personnes qui arrivent là pour la première fois aient confiance en toi et envie de te suivre. Évite les détails ennuyeux, justifie la création de ta chaîne pour mener à bien la mission dont tu viens de parler. L'idéal est que les spectateurs qui regardent pour la première fois se disent « Ah oui, c'est vraiment ce que je cherche par certains côtés, il ou elle me ressemble. » Tu peux aussi parler de tes concurrents, mais sans jamais les dénigrer. Explique plutôt ce qui fait ta différence par rapport aux autres. Quels sont les plus? Quel intérêt pour les abonnés qui te suivront? Montre-toi unique ainsi que ton contenu. Dans la description que l'on va voir sur la page à propos, dis succinctement les plus de ta chaîne et offre-leur ton cadeau de bienvenue. Je ne sais pas, ça peut être un e-book, une vidéo, etc. Qu'ils obtiendront, bien sûr, en s'inscrivant via le lien que tu auras mis juste en dessous dans ta description. Depuis quelques décennies, la tendance est de vouloir ressembler à la personne que l'on admire. C'est une erreur. Tu peux admirer une personne, t'en inspirer, mais être unique, être toi, tout simplement. Cela fonctionne beaucoup mieux que de jouer au clone. Dernier point important, ta chaîne ne doit parler que d'une thématique. Tu ne peux pas mélanger les recettes de cuisine et les recettes de marketing, même si pour ces deux thèmes, ce sont les recettes qui sont détaillées. Annonce clairement dans ta vidéo et ta page à propos quelle va être ta thématique. Alors passons à la troisième partie importante, la description, celle que l'on trouve partout dans toutes les vidéos. Toutes les vidéos qui paraissent sur YouTube ont une description en dessous. Depuis quelque temps, d'ailleurs, YouTube a modifié la présentation de la description sous les vidéos et je trouve ça plutôt mieux. On voit dès le premier coup d'œil beaucoup plus d'informations sur la vidéo que l'on regarde. Tu dois configurer cette description dans les paramètres. Je te montre ça tout de suite. Ainsi, cette partie sera automatiquement ajoutée à toutes tes vidéos. Il ne te restera plus qu'à compléter par les informations spécifiques à la vidéo du moment. C'est l'endroit où il faut proposer ton cadeau aussi. Bien sûr, il doit être dans ta description générale. C'est important. Ajoute le lien en première ligne de ta description. C'est important. Ensuite, mets les informations de tes recommandations de produits. Choisis des produits qui correspondent à ta thématique et n'oublie pas de mettre les bons liens. Tu peux mettre tes propres liens ou des liens d'affiliation. Vérifie de temps en temps s'ils sont toujours d'actualité. En ce qui concerne les liens d'affiliation, il arrive que les pages disparaissent. Dans la description de ta vidéo, inclus tes mots-clés principaux et fais-en une brève présentation que les gens sachent ce qu'ils vont y trouver. Pour finir la partie mots-clés justement, il faut la compléter avec soin afin qu'il paraisse systématiquement pour chacune de tes vidéos. Alors je te montre aussi.
tu n'auras qu'à ajouter le ou les mots-clés qui correspondent au propos de ta vidéo du moment ou ne pas en ajouter s'il n'y en a pas besoin au moment où tu publies ta vidéo. Voici donc la page de ma chaîne YouTube avec la bannière, des informations dans la bannière. La première chose que l'on voit, c'est la vidéo que j'ai faite pour cette page d'accueil. Ensuite, vous voyez tout au bout l'à propos. Alors, c'est dans cette à propos que vous pouvez mettre justement les informations sur la chaîne et ce pourquoi elle a été créée. Et puis, nous allons voir comment, dans la page d'accueil, changer les informations, personnaliser la chaîne. Dans la personnalisation de la chaîne, vous avez plusieurs choses que vous pouvez modifier. Alors ici, il y a changer de vidéo, supprimer la vidéo. Et là, pareil, hein, vous pouvez changer ou supprimer la vidéo. Moi, j'ai mis deux vidéos, une pour les nouveaux utilisateurs qui ne sont pas encore abonnés et une pour les abonnés. Les informations générales, ben, c'est ça le plus intéressant. Alors ici, dans la description, c'est ce que l'on retrouve dans la propos. Hein, si vous avez bien vu, bonjour, bienvenue, c'est ce que l'on trouve dans la partie information générale. Et ce qui est le plus intéressant, c'est d'aller dans les paramètres. Alors dans les paramètres, vous avez déjà les informations générales avec les mots-clés que vous allez pouvoir ajouter ici, qui correspondent à votre thématique. Par contre, les mises en ligne par défaut. Ici, c'est le titre par défaut. Alors moi, je mets avis parce que voilà, ça fait un titre au moins. Et ici, c'est la description qui va être sous toutes vos vidéos. C'est là qu'il faut mettre votre cadeau en premier. Abonne-toi à la chaîne. Si tu as aimé, voilà, ce sont des petites choses qui font que les gens vont partager. Et puis, ça, c'est ce que tu veux que les gens voient. À quoi servent tes vidéos. Et en dessous, je mets des liens vers les logiciels que je préfère. Et enfin, les sites que je recommande. Et ici, tu as aussi la possibilité de changer encore les mots-clés. Voilà. Pour le reste, c'est tout ce que l'on voulait voir. Donc, c'est tout. On a vu la vidéo, on a vu l'à propos où il fallait le changer et les mots-clés, ainsi que la description. Donc, on a tout vu. Alors, si tu fais tout ça, tu devrais avoir bien plus de vues, de j'aime et d'abonnements. Pense à demander ton cadeau sur les applications sexy. Allez, on se retrouve dans la prochaine vidéo. À très vite !